savez, et si vous ne le savez pas, je vous informe que lors de la création, les évêques de la puce sud-africaine ont demandé à ce que je puisse venir dans les diocèses. Je ne suis pas cardinal que pour Bangui, je suis cardinal pour la République sud-africaine. À cet effet, je me dois d'aller à leur rencontre. Et l'évêque de Bois m'a invité pour venir non seulement visiter des frères, des sœurs, présider à l'Eucharistie, rencontrer des frères, des sœurs, mais aussi rencontrer les déplacés qui sont revenus, les retournés de camp, plus précisément Baoro et Babois, et surtout nous déporter du côté Cameroun pour rencontrer aussi des frères et des sœurs qui sont dans ce pays depuis plusieurs années avec le désir de revenir en République sud-africaine. Donc, c'est une visite pastorale qui consiste aussi à rencontrer d'autres frères et sœurs, ça veut dire d'autres confessions religieuses, les frères musulmans, et aussi d'autres frères, que ce soit les protestants et autres. Parce que pour moi, je suis pasteur pour tout le monde. Si vous prenez le véhicule de Bangui, que vous arrivez à Baoro, à l'entrée de la ville, immédiatement après la barrière, vous allez voir à droite un camp. Un camp qu'on appelle le camp des retournés. Ce sont des Peuls. Pour la petite histoire, ces Peuls sont originaires de Trangé, originaires de Sandimba, originaires de Damara, toute la région, on va dire Ambelapoko ou bien encore proche de Bangui, où sont, étaient ces peuls-là. Ces peuls étaient ici, avec les bœufs, avec des moutons, faisaient de l'élevage. Mais tout le monde sait qu'avec la situation que le pays a connue en 2013, par instinct de survie, beaucoup ont tout abandonné, tout perdu, pour se retrouver à la frontière. Maintenant, la situation est devenue difficile. Ces gens sont revenus. Certes, on a aidé, et quelques-uns ont construit quand même quelques maisons, ou l'une, l'autre maison en tonne, mais beaucoup sont vraiment dans une situation où ils ont besoin d'être aidés. Là, ils nous ont dit, à Baoro, nous avons besoin de semences, parce que nous voulons être autonomes. Nous avons besoin qu'on nous appuie pour avoir des moutons, parce que nous, on est éleveurs de père en fils. Nous avons besoin qu'on puisse renforcer nos femmes pour être commerçantes, pour vendre les oignons, vendre des choses. Tout cela, j'entends ça dans le processus d'autonomisation et de responsabilisation. Ça, c'est Baoro. Si vous arrivez à Babois, vous arrivez à Babois, derrière le marché, ou pour ne pas dire l'école, il y a un camp qu'on appelle Zalingo. Ce camp regroupe beaucoup de peuples qui sont revenus du Cameroun, et ces peuples-là sont originaires soit de Bokaranga, soit de Bozoum, soit de Pawa. Tous ces lieux-là, ils avaient aussi leur cheptel. Ils ont tout perdu. Par instinct de survie, se sont retrouvés au Cameroun. Maintenant, ils ont envie de retrouver la terre natale. Là-bas, la situation est encore plus difficile pour la plus simple raison que les aides qu'on a données n'ont pas permis à ce que certains puissent construire vraiment un toit digne de ce nom, et beaucoup de monde, est-ce qu'on ne pourra pas les renforcer pour cultiver, on ne pourra pas les renforcer pour faire l'élevage, et certains, question de scolarité, où est-ce que nos enfants pourront écouter, question d'eau, où allons-nous puiser, il faut faire des kilomètres pour trouver de l'eau, et les enfants doivent aller à l'autre bout, et s'il y a des différends ou des problèmes, on ne peut pas les secourir. Toutes ces questions-là, je les ai entendues vers Babois, mais ce qui est sûr, il y a une cohabitation, coexistence. On va dire qu'il n'y a pas des affrontements, non, pas du tout. Les frères sont acceptés, accueillis, intégrés, mais ils vont souvent chercher du bois pour venir vendre
afin d'avoir un peu d'argent pour faire subvenir à leurs besoins. Et ces situations sont situations de dénouement qu'on peut relever ici dans l'espoir qu'il va y avoir des changements. Ça, c'est les deux camps que j'ai visités en République centrafricaine. Mais quand vous traversez le Cameroun, eh bien, il y a un camp qui se trouve à Gado, Badjéré. C'est à 26 km seulement de Garambulaï, hein, la ville du côté Cameroun, du centre-ville. Ce camp regroupait au plus fort, on va dire, beaucoup, 18 000 personnes. Ces gens sont arrivés de partout, ils se trouvent là. Actuellement, la situation est devenue difficile pour la plus simple raison que dans ce camp, à l'étranger, parce que nous sommes déjà à l'étranger, et eux, ils dépendent de l'État camerounais et surtout de la communauté internationale UNHCR. Pour la petite histoire, avant, le budget, c'était 22 millions de dollars pour faire face aux besoins de ces déplacés. À la date d'aujourd'hui, c'est 8 millions de dollars, même pas la moitié. Donc, ce serait difficile. Quand nous sommes arrivés pour rencontrer ces gens, le président de ce camp qui a pris le micro n'arrivait pas à s'exprimer. C'était des larmes qui coulaient. Nous sommes fatigués. Nous sommes abandonnés. Nous sommes dans la misère. Nous voulons rentrer. Et il n'arrivait pas à s'exprimer. Il a remis le micro et ça nous a beaucoup touchés. Une autre dame qui arrive, qui dit, moi, il n'y a plus rien, je fais des briques, j'ai fait 25 000 briques, on m'a donné que 25 000 francs, j'ai un problème au niveau de mon bassin. Voilà, jamais j'ai fait fabriquer des briques parce qu'il n'y a rien. La raison aussi est simple. Avant, on arrivait à prendre en charge les enfants, on arrivait à en prendre en charge aussi tous ceux qui ont des problèmes de santé. Ça veut dire que vous allez à l'hôpital et vous présentez votre carte. On vous donne les médicaments, ensuite c'est UNHCR qui remboursait. Or, avec la situation actuelle où il n'y a pas assez d'aide, on a désactivé, à part troisième âge, ou bien encore les petits-enfants, tous ceux qui sont en âge adulte et qui peuvent subvenir à leurs besoins, quelque part, sont confrontés à des difficultés. Moi, j'ai vu un monsieur en larmes. Il me faut 45 000 francs. Pour payer les médicaments et depuis j'en ai pas, il pleurait comme un enfant. J'ai dû donner les 45 000 francs pour qu'il soit soigné et autres. Et quand on pose la question, qu'est-ce que vous voulez rester? Nous on veut rentrer chez nous, on veut pas rester ici, on veut rentrer. Donc le désir est là, la volonté est là de vouloir regagner le pays, mais la peur les tétanise et surtout que maintenant avec les affrontements qui se déroulent, les musulmans africaines, ou les FACA avec les alliés pour chasse ces hommes armés, et bien il y a le retentissement sur ce camp. Parce que des gens, les hommes en armes, arrivent dans, on va dire, Gado, et les populations qui n'ont jamais vu ces gens-là ont peur, ne vont pas au champ. Le chef, Sa Majesté, nous a dit, avec cette situation, ma population risque de rencontrer la famine ici. Donc il va falloir qu'on change. Or, les déplacés étaient là depuis, ils ne sont pas armés maintenant et on ne peut pas savoir qui est armé, qui n'est pas armé et ça a des retombées, des conséquences. Donc il y a des gens qu'on accuse en disant qu'ils prennent des gens en otage et on pense que ce sont les déplacés et les pauvres qui payent les pots cassés et nous on doit les défendre, on doit dire que ces gens sont en difficulté. Le dernier camp, Mandjou, ça se situe 30 km de Berthier, en sortant pour aller sur la route de Garambulaï. C'est un camp où vous avez beaucoup de monde qui sont là. Certes, beaucoup sont dans les familles et autres, mais il y a beaucoup de gens qui sont là et qui aspirent à rentrer. Des gens âgés, des gens qui ont tout perdu, des gens qui se demandent, est-ce que si je reviens, est-ce que j'ai encore ma maison? Est-ce que ma maison est encore en état? Mon terrain, j'ai appris qu'on a vendu. Beaucoup de problèmes que les gens soulèvent et que nous devons entendre. Moi, je suis le porte-parole, pour ne pas dire la voix des 100 voix, pour cueillir et recueillir les doléances, les visions et aussi les situations difficiles, les projections des uns aux autres, pour venir dire
ici et à la communauté internationale. Voilà les conditions dans lesquelles se trouvent les frères et les sœurs. Il faudrait leur redonner leur dignité, les enfants de Dieu. Moi, je viens au nom de ce Dieu-là qui aime tous les hommes, qui n'aime pas la souffrance, qui veut délivrer l'homme de la souffrance. Et je viens leur dire, Dieu ne vous a pas oublié. Je viens essuyer leurs larmes. Je viens être proche d'eux. Je viens les encourager en disant, ne désespérez pas. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Gardez l'espoir. Quelque chose pourra changer. Et je viens prendre vos doléances pour dire à ceux qui ont le pouvoir de décision, s'il vous plaît, n'oubliez pas les frères. Si hier vous les avez oubliés, aujourd'hui je vous rappelle, hein, pour que vous puissiez vous souvenir de ces frères et de ces sœurs qu'ensemble nous cherchons à les faire sortir. Donc moi je viens pour une proximité pastorale comme un père auprès d'eux. Et en même temps, n'oubliez pas, quand je viens pour ce genre de situation, ces gens ils disent qu'ils n'ont jamais vu les autorités venir vers eux. Moi, je prends sûrement les agressivités, la colère, on va dire la révolte. Il faut que j'accepte parce que je suis père. Et en même temps, je remonte. J'essaie de convertir ces colères-là en disant on ne pourra pas transformer le pays. On était en colère, on était toujours en révolte. Essayons de retrouver notre raison. Essayons de retrouver la foi. Comment chercher des solutions pour sortir de là. Donc, je recueille leur situation pour partager avec des frères et des sœurs ici en République africaine et aussi de par la communauté internationale. Symbolique, hein? Simple, c'est pas grand chose. Du riz, un peu d'huile, un peu de sardines, hein? Un peu de café et autres. On a donné aux déplacés retournés de Baoro, on a donné aussi aux déplacés de Baboua, nous avons donné aussi aux déplacés de Gado. Parce que quand nous sommes allés, il y avait des gens qui pleuraient, il n'y avait rien, et nous sommes mobilisés pour acheter et aller leur donner, pour ne pas imaginer leur joie. Mais ce que nous venons leur dire, c'est simplement dire que nous voulons leur retour. Alors ça c'est fait. Hein, ou vous demandez qu'est-ce qu'on leur a apporté. Mais c'est surtout la nouvelle d'un retour possible que moi je leur ai apporté. Parce que lors d'une réunion, on en parle, et le responsable qui téléphone, on lui dit, le 11 mai, il y aura un retour. Donc je leur ai apporté de l'espérance. 11 mai, il y aura un retour à la République centrafricaine. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand nous, on rentrait, deux motos étaient devant nous avec les signes de victoire en disant enfin, nous allons rentrer. Donc ça, pour moi, c'est plus important que le matériel. L'espoir qui renaît, le visage qui se transforme, la joie qui revient, la paix qui commence à scintiller dans les yeux. Ça, je crois que c'est le plus important pour les frères et les sœurs qui étaient là-bas. Donc voilà, soutien, réconfort, c'est pas seulement matériel, c'est aussi, on va dire, moral, spirituel que je leur apporte. Thank you.
Alors c'est important. Parce que quand perpétuité, je veux plutôt que tu puisses rester sobre et garder. Vous pensez que le pire est derrière vous. Petit à petit, commencez à répondre à votre conscience, à réfléchir, à penser et à vivre. Même en fond de vous, il y a quand même la tête, il y a quand même les pieds, les mains, le corps, les familles, et le cœur, etc. De faire face à cette situation-là. Est-ce que nous allons toujours continuer à les laisser en tant que prisonniers, à les conduire? Un espoir sur la grande rencontre interministérielle du 25 au 26. On nous l'a dit, il aura lieu à Yaoundé pour aborder la question des déplacés, que les vraies questions soient posées sur la table et que la question de la dignité humaine du retour de nos frères soit abordée et que nous puissions les accueillir les bras ouverts. C'est leur pays, centrafricain, ils le sont. Il va falloir leur donner la possibilité de regagner dans ce pays-là. Donc, oui, on a aidé nos frères. Oui, on les a donné l'espace et autres. Mais avec le temps, eh bien, nous allons...
ainsi les gens qui vont arriver. On ne va pas les regarder avec les yeux rouges. On les regarde avec les yeux verts, c'est-à-dire les yeux de l'espérance. Et ça, ce sont des frères qui reviennent. Je dis, nonobstant les situations ou les problèmes qu'ils ont eu ici et que nous pouvons régler au niveau de justice. Mais nous devons plutôt bien les accueillir. Alors donc, je pense qu'il est important de préparer ce retour-là, puisqu'ils veulent rentrer. Parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative que de revenir chez eux et recomprendre. Et il faut créer les conditions de la paix. La paix, ce n'est pas un vrai. Engager le dialogue. On vient d'avoir le dialogue. J'espère que c'est un temps plein pour rebondir le dialogue pour ceux qui viennent et pour ceux qui doivent les accueillir afin que le retour soit comme pour le retour de fils prodigue dans Luc chapitre 15 où le père est en attente depuis des mois et des mois et voyant son fils arriver, il est heureux de l'accueillir et nous souhaitons cela pour la plus grande. Concrètement, c'est UNHCR qui est en train de travailler parce qu'il y a toute une liste. Si vous n'avez pas de papier, vous êtes apatride. Donc, il faudrait faire des papiers pour vous et que vous soyez papier soit en règle avec votre mari, votre femme, vos enfants. Ainsi, quand vous allez arriver ici, vous pouvez être intégré, vous pouvez répondre. Alors donc, c'est important que ces organismes jouent leur rôle. Ensuite, il y aura un véhicule, nous serons dedans. Mais moi, je demande à ce que chrétiens, musulmans, non-croyants, tous ceux qui se disent centrafricains, leur arrive d'accueillir vos frères, pas seulement les insulter, pas seulement les rejeter, pas seulement les repousser, mais ce sont des frères qui ont connu l'épreuve, qui ont connu les difficultés et qui ont touché du doigt, je veux dire la misère, et qui ont côtoyé la mort. Donnez-leur la chance. Qui sait? Peut-être qu'eux aussi vous donneront la chance.